Ah, salut à tous, nouvelle sortie détection. Donc ça c'était le champ où j'avais fait tous les boutons. Voilà. Et donc là on va s'attaquer à ce champ là. Et la dernière vidéo qui sort aujourd'hui, comme vous la visionnez aujourd'hui, c'était le champ juste là-bas. Et là un sol, je raconte. Là 5 centimes révo. Elle était juste là-bas, dans ce champ là-bas. Voilà. Donc là, bah, on va voir ce qu'on a dans ce champ. Et puis en même temps, je ferai un saut dans ce champ-là. Voilà. Donc sur ce, je tenais aussi à vous remercier parce que sur ma dernière vidéo détection, vous étiez à plus de 1400 à l'avoir regardé. Ça fait extrêmement plaisir. Après, bon, il y a une marge d'erreur de 10%. Hein. Apparemment, il y a une quinzaine de pouces en l'air. Hein. Une quinzaine de pouces vers le bas, excusez-moi. Donc après, bon, bah, ça c'est pas grave. J'ai une marge de 10%, donc ça va, 1400 vues, 15 pouces, ça va, on est pas mal, 15 ou 17. Mais ça m'empêchera pas de continuer à faire des vidéos. Voilà. Et donc, comme vous êtes toujours de plus en plus nombreux, bah, c'est bien. Donc, ça me permet de pouvoir continuer. Donc sur ce, bah, ce que je vais faire, j'allume dès que j'ai quelque chose d'intéressant. Hein. Allez, tchuss. Allez, premier travail pour moi, ça fait ouais, ça fait une petite heure que je tourne. Hein. Et franchement, que des merdouilles, du plomb, plomb de sac, balle de mousquet. Et là, je viens de faire ma première trouvaille, regardez. Voilà, mise au point. Un reste d'une bague avec un petit émeraude dessus. Donc c'est bien de l'argent. Hein. Hop là, désolé, c'est tombé. Hop là, voilà. C'est bien de l'argent parce que voilà, on peut le voir, je viens de frotter et c'est bien blanc et ça brille, donc c'est bien de l'argent. Voilà, c'est dommage. Hein. Alors je sais pas si c'est une bague ou autre, mais je pense une bague, hein. Peut-être une broche pour les cheveux, c'est possible, avec un tout petit émeraude dessus. Voilà, bon allez, je vais continuer, je vais aller à la voiture boire un petit coup, un petit thé, et puis je reprends dès que j'ai une trouvaille. Allez, tchuss. Allez, nouvelle trouvaille, une monnaie. Après, ouais, une bonne demi-heure sans rien faire à part un bouton. Encore quelques merdouilles. Et donc là, regardez, hop, ici, le petit phénix, hein, je pense. Hein. Alors, non, non, même pas. Ah, je me suis fait avoir. C'est un bouton. Ouais, donc ça fait le deuxième que je trouve. Hein. Dans ce champ. Ok, un deuxième bouton, allez. Je continue à la prochaine trouvaille, tchuss. Allez, nouvelle monnaie après le bouton. Hein. Ah, le bouton, je crois que je l'ai fait ouais, vers là. Donc j'ai fait au moins 3-4 allers-retours sans rien trouver. Et là, une monnaie, et je pense que c'est un impôt. Regardez, hop, voilà. On va voir ça de suite. Ah non, même pas, c'est une médaille religieuse. Ok. Ouais. D'accord. Je pensais que c'était un impôt. C'est une médaille religieuse. C'est la première fois que j'en fais une comme ça. Donc voilà. Il y a un personnage ici. Je vois un personnage. Ok. Bah écoutez, on verra ce qu'il y a écrit dessus. Hein. Voilà, on verra ça au nettoyage que ça donne. Voilà. Bon bah écoutez, je rallume la prochaine 3. Il commence à pleuvoir un peu. Mais bon, ça va, c'est pas trop. C'est pas trop dérangeant. C'est ta petite pluie, donc ça va. Allez, je continue à la prochaine trouvaille, tchuss. Allez, première monnaie pour moi. La médaille religieuse était là-bas. Donc là, j'ai juste fait manger. Et donc là, une monnaie. Et là, regardez, je pense que c'est une nappe. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que c'est du nappe? C'est ça, 5 centimes napo. Alors, est-ce qu'il y aura des restes? Ouais, quand on a cette couleur, ça fait peur. Je sais pas à vous si ça vous fait pas peur, mais en tout cas, à moi, ça me fait peur. Plein de verres de gris autour. Puis la patine commence à sauter. Ok. Atelier, atelier.
BB. Donc Strasbourg. Voilà. Allez, je continue à la prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Allez, nouvelle trouvaille après la 5 centimes, hein, Napo. Là en général c'est rare que je ferme les boutons, hein, mais quand ils sont jolis, regardez. Voilà, avec la petite étoile, il est magnifique celui-ci. Après c'est dommage, j'espère juste qu'il y aura pas trop, il sera pas trop abîmé au nettoyage. Voilà. Voilà, et puis j'ai fait une trouvaille assez insolite. Alors je l'ai mis dans mon petit sac à merdouille. Mon petit sac. Alors regardez. Vous allez me dire ce que vous en pensez. À quoi ça vous fait penser ça? Voilà. Je n'en dis pas plus. Voilà. Ah, même le saut là. Voilà, magnifique. C'est dommage. Bon, elle n'est pas entière, ce qui est normal. Elle est passée sous la charrue, hein, ça c'est normal. Mais bon, voilà. Allez, je continue et je vous dis à la prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Allez, nouvelle trouvaille pour moi. Voilà, regardez. C'est insolite. Pareil, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Alors peut-être une forme de une pièce pour faire un moulage ou peut-être un décor sur du bois ou je sais pas. Alors je sais pas comment on le prend comme ça, aucune idée. Voilà. C'est peut-être quelque chose pour faire de la déco, mais avec toutes ces rainures, je sais pas. C'est peut-être ça, hein, faire des décorations sur du bois. Hein. Voilà, étrange. Trouvaille insolite. Bon, allez, je rallume à la prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, nouvelle trouvaille. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de flouter. Alors, je me suis dit, je vais dirigé vers la voiture, donc j'ai été vers le chemin là-bas, j'ai fait de la boîte de conserve, et hop, ça s'est calmé, je suis revenu, là il continue encore à flotter, là j'ai continué, et là regardez, hop, de nouveau une monnaie, il me semble que c'est une monnaie, hein. On va voir si c'est un anneau ou une monnaie alors, ah purée, non, ok, c'est un anneau, on n'a rien de spécial, hein. Ok. Voilà, il flotte encore un peu, mais c'est pas énorme. Tout à l'heure, il flottait ça, comme vache qui pisse. Bon, allez, je continue la prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, nouvelle cible, et regardez. Ah, même le sol. Non, je sais pas si c'est de la ligne d'eau. Hein. Hop là, voilà. On va voir ce qu'on a là. Oula. Ça m'a l'air d'être une monnaie. Mais alors, j'ai l'impression qu'on a fait un trou volontairement dedans. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est du pfennig, je crois. 1807, non. 1880, ouais, ça doit être un pfennig. Un rail pfennig, ouais, avec un trou dedans. Ok, c'est la première fois que je fais une monnaie comme ça. C'est une ligne d'Opfenig. Voilà. Allez, bon ben je continue. Prochaine trouvaille. Tchuss. Alors, voilà. Le bilan des trouvailles après 4 heures de détection. Donc voilà, voilà. Il y a pas mal de cochonneries. Il y en a pas mal. Ouais. Une bouteille de bière. Je sais pas ce que c'est. Pff, aucune idée. Voilà, Sopiqué. Hop là. Sponsorisé par Sopiqué. Ça c'était un reste de boîte de médicaments apparemment, parce qu'il y a marqué grippe apparemment. Voilà, voilà un bouton que je n'avais pas filmé qui était fichu, hein, pareil. Reste de cartouche, déchets, des anneaux, deux anneaux là. Pareil, un objet pareil que je n'ai pas filmé. Du plomb, balle de mousquet. Voilà. Et le bilan des trouvailles. Donc là.
On a la petite médaille religieuse. Voilà. La 5 centimes Napo. On espère qu'il y aura de beaux restes, on va voir. Hein. Voilà. Voilà, voilà. La Pfennig Lindo, Lido Pfennig. 1890. Les boutons. Voilà, les 4 boutons. Le petit bouton vendéen. Moi, je pense que c'est vendéen. Hein. Le plomb de sac que je n'avais pas filmé, pareil. Il va y avoir semoule. Semoule, voilà. Ça, c'est pareil, c'est une cartouche, pareil, que je n'avais pas filmé, mais il est marqué London. Voilà, donc je pense que c'est fabriqué en Angleterre. À cette époque, c'était fabriqué en Angleterre. C'était les premières cartouches à percussion. Au cas où personne se demanderait ce que c'est. Voilà, c'est les premières cartouches à percussion. Et cet objet. Ah non, ça aussi. La petite bague avec le petit émeraude. Alors, je sais pas si c'est une bague. Voilà. Ou autre. Soit bague ou sinon peut-être pour attacher les cheveux, je sais pas. En tout cas, c'est bien de l'argent, ça c'est sûr. Et puis cet objet-là. Alors là, c'est pareil, aucune idée. Alors, si vous avez une idée, si vous savez ce que c'est exactement. Voilà, c'est bizarre. Encore une pièce de moulage, mais je suis pas sûr. Ou peut-être pour faire du décor sur des bois. Donc c'était chauffé, et puis après ben, on l'appliquait sur le bois, et puis ça faisait un décor, mais je suis pas sûr. C'est étrange quand même. Cette pièce-là m'intrigue. Voilà. Et puis voilà, ceci. Voilà. Voilà, voilà. Cette pièce-là. Bon, ben voilà. Donc, on a fait le tour du bilan des trouvailles. Hein. Donc, écoutez, ben si ça vous a plu, laissez-moi un like. Un petit like, ça fait plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, pour ceux qui me mettent des pouces en bas, ben c'est pas grave. Hein, continuez. Hein. Si ça peut vous faire plaisir, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, sur ce, ben. Je ferai un petit nettoyage sur cette petite médaille religieuse et puis je vous mettrai une photo. Ça c'est sûr. Comme ça vous verrez exactement ce que c'est, tout simplement. Parce que moi c'est la première fois que j'en fais une comme ça. J'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait. Voilà. Allez, sur ce, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne sortie des techs. À tous. Allez. Tchuss.